le débroussaillage, hein, c'est ça? Oui, ça j'ai déjà fait, au moins c'est déjà quelque chose. Hein. Oui, vous avez commencé à quelle heure? Ah, ce matin, on est arrivé, c'était 9h, je crois. 9h, d'accord. C'est difficile à dire, parce que j'étais assise, quoi. Et puis là, vous avez fini le débroussaillage? Oui, j'étais un peu fignolé, quoi. Thank you.
Pour au début, on avait 7 sorties. Oui. Maintenant, on se retrouve avec 4. D'accord. Au découlement. Donc ça, c'est l'eau du robinet. Là, c'est un test avec du mazout. Bon, le test est positif, donc ça ressort par là. Le mazout. Bon. Là, c'est le test de l'installation d'une des fosses. Donc, il s'agit de la fosse temporaire. Hein? Oui, oui. Alors, un théodolite qui sert à... À faire des relèvements de niveau. D'accord.
Voilà la microstation, c'est un grand cube blanc. Dieu, qu'elle est là-dedans. Non, mais non, c'est la microstation. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Tu vois? Ah, chercher de l'autre côté. Vas-y, bah c'est bon, hein. Normalement, c'est bon, hein. En train de préparer l'entrée dans la microstation au niveau du bac d'accumulation.
La station est composée de 4 bacs, un bac d'accumulation, un bac d'oxygénation, un bac de décantation et un silo à boue. Et donc on a les eaux propres qui repartent directement au drain, les eaux sales qui passent dans un bac d'accumulation, quand le niveau monte, elles sont transvasées automatiquement dans le bassin d'aération, elles sont épurées, ensuite elles décantent, et dans la partie décantation, la partie d'eau propre s'en va au drain, et la partie d'eau chargée va partir au niveau du silo à boue, avec un stockage séparé. D'accord, merci. Alors, ventilation,